pas peur de la révélation. C'est une pierre précieuse éprouvée. Je la mettrai au milieu du chemin pour identifier la prédestination. Mais pour toi, j'enverrai des anges qui te porteront afin que ton pied ne puisse pas heurter la prière de Sion. Ne puisse pas heurter la révélation. Oh, 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 oh. Voici, j'ai mis en Sion une pierre éprouvée, une révélation. C'est lui qui la prend comme fondation. Il ne sera jamais ébranlé. Un jour Caïphe devant la pierre, étant le souverain sacrificateur, il n'eut pas la révélation du mystère de la venue du Seigneur. Comme il n'avait pas des anges pour le porter au pauvre pasteur, son pied droit heurta la pierre des Sion. Il se fâcha et déchira ses habits. Oh. Voici, j'ai mis à Sion une pierre éprouvée et une révélation. C'est lui qui la prend comme fondation. Il ne sera jamais ébranlé. Nathanaël devant la pierre, il eut la révélation venant du ciel. Il ne fut pas scandalisé devant la béatitude oubliée, car Dieu l'envoya ses anges pour le porter afin que ses yeux ne puissent pas heurter le voile de la chair, ne puisse pas heurter la pierre des Sion. Oh, oh, oh. Voici, j'ai mis à Sion une pierre éprouvée, une révélation. C'est lui qui la prend comme fondation. Il ne sera jamais ébranlé. Avant l'ouverture des sceaux, Dieu fit lire au prophète le passage de la pierre pour lui dire de ses grands mystères qui sera accompli là dans l'épouse. Et gloire à Dieu, il m'a envoyé ses anges. Cette nuée là sur ta photo pour me porter afin que mon âme ne soit pas achoppée du mystère accompli, ne puisse pas heurter la pierre des Sion. Oh, oh, oh. Voici, j'ai mis à Sion une pierre éprouvée, une révélation. C'est lui.
sera jamais ébranlée. Voici Jésus.